Bienvenue tout le monde à la version française de notre programme aujourd'hui. Aujourd'hui, nous jasons avec Mark Skarzinski du Westmount Charter School, l'école Westmount Charter, parce que Mark et un groupe d'étudiants de son école ont fait un échange étudiant avec des jeunes de Saint-Tite au Québec. Et peux-tu nous dire, Marc, un peu comment ça s'est passé? Où avez-vous eu l'idée d'aller à Saint-Tite, d'aller visiter la capitale du country and western de la province de Québec? C'est un programme qui est organisé par une Civic Canada et c'est un programme fédéral. Et notre professeur, Anne-Claire Chevalier, et le prof de Saint-Tite ont travaillé très fort, chacun de leur côté, à offrir à leurs élèves une chance de voyager ailleurs. Et en fait, c'est Civic qui choisit finalement où est-ce que les gens vont aller. Ah, donc, c'est un peu le destin. Vous... Un bon destin, oui. Parce qu'ils ont vu, vos étudiants ont vu l'endroit où Saint-Tite tient le rodéo tous les oui. ans. C'est une ville extraordinaire. C'est une ville de 40 000 âmes, je crois, on nous dit en entrant. Et puis, chaque été, il y a cette inondation de cowboys, de rodeo, c'est tout un spectacle. Il y a en fait 600 000 personnes qui arrivent à Saint-Tite et les cowboys aiment beaucoup leur stade parce que c'est très petit. Tu as même la chance d'avoir un peu de poussière sur toi, oui, ou pire, mais c'est vraiment c'est une chose très dynamique et avec beaucoup d'énergie. Et il y a des rassemblances avec Calgary aussi. Donc, on sait aussi que c'est beaucoup plus grand au Stampede, mais c'est quand même une culture des racines qui sont assez proches. Mm-hmm. Ouais. Et comment les étudiants ont-ils été choisis? Parce que vous en aviez une vingtaine. Mm-hmm. Ils choisissent eux-mêmes d'aller. C'est quand même tout un engagement. Ils sont là pour une semaine. Les journées sont très intenses. Intensives, en fait. C'est 14 heures par jour en français ou en anglais. Et les profs des deux côtés travaillent très fort à trouver un match. Et en fait... il y a eu beaucoup de chance et les élèves ont trouvé des matchs très heureux, très... OK, parce qu'il y avait des élèves, des étudiants plus jeunes et d'autres plus âgés. Ça allait de quoi, de la 8e à la 12e? À peu près, oui. Au 12e, oui. OK, des deux côtés, Saint-Tite aussi. Oui, des deux côtés, hein? Oui. C'est ça? Oui, oui. OK. Et puis, quel était... quel genre de commentaires ont-ils fait quand ils sont revenus? Est-ce qu'ils ont trouvé que les choses passaient pas mal de la même façon à Saint-Tite qu'à Calgary? Ou est-ce qu'il y avait de grosses différences? Je pense que nos élèves ont trouvé la ville de Saint-Tite assez impressionnante. Ils ont été très impressionnés par... Montréal, on est allé en haut de Montréal, par la citadelle du Québec, par le fleuve Saint-Laurent. C'était très impressionnant. La neige, il y a eu une grande tempête juste en arrivant. Donc, ils ont eu quand même une vraie expérience québécoise. et aussi... je pense qu'ils ont remarqué que les élèves sont très sympathiques, très semblables aussi. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont en commun et qui sont assez comiques,
et peut-être aussi très expressives. Ils ont été touchés, tous les deux, les deux groupes, en fait. Et les Québécois, je pense qu'ils ont été beaucoup impressionnés par les montagnes. On est allé à Banff, aux sources à Banff. On est allé à quelques musées, à Drumheller. C'était très impressionnant pour eux. Avoir la chance de voir l'autre bout du pays, l'autre culture, ça ajoute vraiment quelque chose à leur curriculum de tous les jours. Mm-hmm. Ouais. Et vos étudiants du Westmount, ils étaient à quel niveau à peu près en français? On a un prof, Anne-Claire Chevalier, qui travaille très fort avec eux et qui a beaucoup de succès. Et je pense qu'ils avaient les structures de base. Okay. C'était des débutants ou c'était des jeunes qui avaient déjà un an ou deux de français? Oui, et des fois même plus. Okay. Ceux en 12e année ont déjà 6 ans, mais quand même, depuis quelques années, en particulier avec Anne-Claire, ils ont eu vraiment une structure de base très solide. Et là, c'était juste de prendre le temps d'entendre. La langue est quand même différente. Les accents sont un peu différents. Saint-Tite, il y avait des expressions qui étaient différentes pour eux. Mais c'était de prendre le temps et de vraiment expérimenter un peu avec les structures. Et je pense qu'il y a beaucoup de plaisir pour les élèves à faire ça. Des fois, c'est un peu gênant. Il y en a qui sont très timides, mais c'est quand même c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire. Ouais. Et est-ce que tu penses, Marc, qu'ils vont rester, qu'ils se sont fait des amis, qu'ils vont rester en contact entre eux? Je pense que oui. Je pense que plusieurs, ils ont dit qu'ils ont le goût de voyager plus maintenant, de voir la francophonie. Maintenant que c'est évident que ça marche, le français marche, ça fonctionne bien, je pense qu'ils vont voyager un peu plus. Ce qui est extraordinaire, parce qu'il y a des élèves qui n'ont jamais vraiment quitté leur maison, et là, ils sont prêts à être un peu plus autonomes. Toi, tu as vécu cette expérience-là, quand tu étais plus jeune. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Moi, j'ai eu la chance à 18 ans aussi de partir à Québec travailler pour un été avec un programme d'échange avec Parc Canada. Donc, j'étais guide dans les centres culturels, Fort Lennox, Chambly, Louisbourg. Et j'ai décidé, en fait, de faire des études à Québec. Et en fait, je suis resté 10 ans à Québec. J'ai fait peur un peu à ma mère, mais je suis resté 2 ans. En rencontrant des cultures différentes, c'est très passionnant parce que c'est un peu comme un terrain de jeu. Tu arrives, tu peux te réinventer, tu peux avoir une expérience complètement nouveau des autres et de toi-même. On se voit très clairement qui on est en arrivant. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai fini par faire des études en littérature québécoise, en fait. Et j'avais beaucoup d'amis en partant. Et un moment particulier qui m'a donné beaucoup de plaisir, c'est qu'en arrivant à Québec, j'ai retrouvé un ami, un grand ami, qui est devenu écrivain, qui a publié une dizaine de livres de poèmes, et qui m'avait en fait dédié un livre qui s'appelle « Lettres d'Écorce », l'écrivain s'appelle Claude Paradis. C'était très touchant
d'avoir cette l'amitié continue entre les cultures pour nos élèves et pour moi aussi. C'est très intéressant. C'est bien. Et qu'est-ce qui t'a fait revenir à Calgary? À la famille. La famille. Et j'ai trouvé que c'était un peu devenir prof de français au Québec. Je trouvais que ce n'était pas correct en tant qu'anglophone. Je voulais partager le français dans l'Ouest et retrouver un peu mes racines après 10 ans. Oui. Est-ce que tes étudiants, les étudiants qui sont allés à Saint-Tite, connaissent ton histoire? Oui, 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 j'avais parlé un petit peu de cette histoire. Et il y en a qui, je pense, ont des plans même peut-être de venir terminer leurs études ici. Donc, ces programmes sont extraordinaires pour ça. C'est un peu l'étincelle d'autres choses. Est-ce que tu as trouvé aussi que l'inverse est vrai, qu'il y avait des jeunes Québécois qui aimeraient venir finir leurs études ici? Oui. Oui, en fait, j'ai donné mon nom en tant que contact parce qu'il y a quelques élèves qui veulent vraiment revenir. Donc, oui, c'est... avoir une autre langue, c'est quelque chose, je pense, très important. Côté développement intellectuel, social, pour vraiment connaître l'histoire du Canada, c'est très important d'aller avoir l'expérience de l'autre culture. Mm-hmm. Et je pense que c'est quelque chose que je souhaite que beaucoup d'élèves aient cette expérience-là. Est-ce que vos étudiants connaissent un petit peu l'histoire francophone de Calgary et puis comment les francophones ont vraiment fondé, si tu veux, la ville de Calgary dans le temps de Rouleauville? Un petit peu, mais petit pas peu. Autant que, qu'on aimerait, en fait, non. Peut-être, peut-être il y a d'autres émissions qu'on peut regarder pour ça. Oui. Oui. Est-ce que la préparation a été longue? Oui. Pour... Oui? Oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer des étudiants à un échange comme ça? Oh, il y a côté les fonds à soulever, il y a toutes les préparations à lier les deux, à trouver des matchs. Il y a toute l'organisation quotidienne. Des événements de 40 élèves pour 16 heures par jour, préparer les parents. Donc, c'est un travail d'amour des deux côtés. Les parents veulent vraiment donner cette expérience, mais c'est vrai. Vaut la peine. Les voyages forment la jeunesse. Je trouve que c'est vraiment vrai. C'est vrai, hein? C'était une phrase... Je pense que c'est Félix Leclerc, je ne sais pas. Oui, oui, je pense que c'est Félix Leclerc. Eh bien, Marc, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Marc est conseiller pédagogique à l'école Westmount et tu es aussi coordonnateur de services aux étudiants. Mm-hmm. Donc, si des étudiants qui nous écoutent et qui ont des questions à poser, ils peuvent toujours te joindre au Westmount Charter School. Exactement, oui. OK. Encore une fois, un gros merci. Merci beaucoup, Anne. Et à tout le monde, à la prochaine.